Ok, bonjour à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, c'est Nours au micro, on se retrouve pour une petite VOD informative. Alors, pour la petite histoire, en fait, c'est la deuxième car j'ai déjà fait cette VOD, mais malheureusement, YouTube a encore frappé. Et ça justifie encore un peu plus cette vidéo informative, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Je vais juste vous expliquer brièvement en fait le but de cette vidéo. Donc déjà le but premier c'est de vous remercier tous de m'avoir fait confiance et de me suivre et d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vais reprendre un petit peu la trame que j'avais fait lors de la première vidéo, hein. J'ai pas, là c'est de l'impro total, je suis un peu en mode tilt. On va essayer de faire passer ça à soft quoi. Déjà pour tous ceux qui me découvriraient à travers cette VOD, en fait je me suis lancé un petit peu là-dedans il y a un peu moins d'un an de ça. Mon but premier n'est pas du tout d'en vivre ou quoi que ce soit. Ça c'est une chose que je vous démontrais dans la première VOD que j'ai créée, mais que malheureusement je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que ça fait partie des conditions générales d'utilisation de YouTube. Merci. Je sais même pas si j'ai le droit de te citer en fait, mais bon, tout le monde se doutera de qui c'est par là. Merci de m'avoir prévenu avant que je me retrouve avec le FBI au cul, quoi. Donc en fait voilà, le but de mon activité sur Internet, c'est une activité parallèle, c'est un hobby, c'est pas du tout à but lucratif, j'ai un travail à côté, je ne vis pas de mon travail sur Internet. C'est un hobby dont le but en fait c'est de vous aider à travers les méandres et les labyrinthes marketing et commerciaux. Dans les choix de matériel, dans les problèmes informatiques, les choix de configuration, etc., etc. Et à côté de ça, en plus, est venu un petit côté fun avec les OSP et la découverte de nouveaux jeux souvent indépendants. D'ailleurs, c'est un côté que je vais essayer de développer de plus en plus sur ma future chaîne Dailymotion. Vous le voyez là tout de suite, déjà, c'est en jaune, ça brille et tout. Donc, vous l'aurez compris. Après les moult remerciements, je sais pas, je suis pas trop à l'aise pour faire ça, mais bon, vous êtes bientôt 500 sur Facebook et bientôt 1000 sur YouTube, donc je ne peux que vous remercier d'être aussi nombreux à me suivre, et je pensais vraiment pas que ça allait marcher comme ça. Comme je vous dis, j'ai vraiment fait ça en guise de hobby, donc vous me faites confiance, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages de soutien et tout, et je ne peux vraiment que vous remercier. D'ailleurs, pour ceux qui verraient cette vote qui ne sont pas encore inscrits sur mon Facebook, je vous invite à le faire parce que en fait c'est là que je publie toutes les news le plus rapidement possible et entre autres c'est là que sont organisés les jeux concours. Actuellement il y a un jeu concours pour gagner une clé bêta sur Wildstar. Il y en aura bientôt d'autres pour gagner des clés sur d'autres jeux, des jeux qui coûtent cher à l'achat. Donc vu que c'est Noël, on va dire c'est mon petit cadeau de Noël, voilà, pour vous remercier de me suivre et d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Il y aura donc des jeux à gagner, bientôt aussi du matos, des claviers, des souris et bien d'autres. Donc n'hésitez pas, je le répète, si vous voyez cette VOD, si vous me découvrez à travers cette VOD, suivez-moi sur Facebook, www.facebook.com/nours, N00RS pour l'orthographe de Nours. Comment est-ce que je vais essayer de m'articuler autour de cette VOD pour pas m'attirer les foudres de YouTube? Donc je vais partager mon écran, hop là, déjà là vous avez spoilé. Donc voilà, je vous remercie encore. Vous êtes 920 abonnés, bientôt 50 000 vues sur YouTube. Sur Facebook, si je dis pas de bêtises, vous êtes bientôt 500. Donc voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez spoiler la deuxième partie. Je vous spoil la deuxième partie de cette vidéo informative. Vous voyez le petit logo Dailymotion ici. Vous en savez déjà un petit peu plus. Et si vous me suivez sur Facebook, vous êtes déjà sûrement au courant de ce qui va se passer, parce que j'ai partagé un post de Ponfétude où eux ragent par rapport à YouTube. Donc, moi je rage déjà, mais eux j'imagine que c'est un truc horrible, ils doivent péter un câble. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier. Je me répète un peu, je vous dis c'est de l'impro, je suis un peu en mode tilt parce que la première vidéo était plutôt pas mal, mais je ne peux pas la publier à cause des restrictions de YouTube, de ce fameux YouTube qui commence de me casser les couilles. Je remercie bientôt les 1000 abonnés. Je remercie tous ceux qui partagent et qui font des petits pouces verts et qui me permettent d'être de plus en plus connu sur la toile. Voilà, encore merci quoi. Donc maintenant je vais passer à une petite dédicace un peu plus personnelle. C'est mon ami Toto, un viewer fidèle. J'en profite pour me poser des questions par rapport à toi, Toto, parce que je trouve que tu m'envoies beaucoup beaucoup de cœur. Alors bon.
Je sais que t'es marié, que t'as des enfants, mais ces petits cœurs là, ils me font peur. Donc Toto, si tu me regardes. Non, je déconne, c'est du troll. Voilà, c'est une petite dédicace particulière parce que t'es un des viewers les plus fidèles. Et puis voilà, c'est super cool. Et t'as l'air d'être un mec super cool. Je vais passer tout de suite au plus intéressant, au plus important de cette VOD. Vous l'aurez compris, ma chaîne YouTube va bientôt déménager sous Dailymotion. J'essaye de vous expliquer brièvement pourquoi, sans trop rentrer dans les détails, pour ne pas m'attirer les foudres de YouTube ou quoi que ce soit. En fait, comme je vous l'ai dit, mon activité sur Internet, c'est un hobby. C'est pas mon gagne-pain. J'ai un travail à côté de ça. Je vais repasser sur la scène normale. Ce sera peut-être plus agréable pour vous. Voilà, donc j'ai un travail à côté. C'est pas du tout mon activité. C'est pas un rendement pécunier, si vous voulez. Et le problème, c'est que c'est un hobby qui est de plus en plus compliqué à assouvir parce que si vous me suivez sur Facebook, vous êtes au courant, j'ai constamment des problèmes de copyright avec YouTube. Par exemple, un exemple concret, j'upload une vidéo de SP, on stagne en platine. Donc pour ceux qui me découvrent, c'est là où je fais mes petits jeux de StarCraft. J'upload une vidéo sans musique de fond et le logiciel de reconnaissance de musique de merde de YouTube va me trouver une musique qui n'existe pas puisqu'elle n'est pas dans la VOD. Et à partir de là, eh ben, il va falloir que je bataille et que je bataille pour leur prouver que non, il n'y a pas de musique en fond, en leur copiant-collant les liens de la musique qui est supposée exister mais qui n'existe pas. Dans le cas où effectivement il y aurait bien une musique, il faut que je leur transmette une preuve écrite. Comme quoi l'auteur de la musique m'autorise à l'utiliser, etc. Bref, j'arrive parfois à passer plus de temps à justifier la légitimité d'une VOD que le temps que je passe à l'éditer, à mettre tous les petits liens et tout sur YouTube pour que ça soit plaisant pour vous. Donc ça me brise les couilles d'une force inimaginable. Et franchement, voilà, ça me saoule, je vais pas continuer comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de migrer sur Dailymotion. Ils ont une politique un peu plus correcte, on va dire, moins abusive. Et donc voilà, la création de la chaîne Dailymotion est ici, www.dailymotion.com/nours, nours N00. 0, il y a 3-0 cette fois-ci, RS. Pourquoi 3-0? Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'appelle Nours N00RS. C'est une fille qui a créé son compte mais qui n'upload pas de vidéo. Donc si jamais tu vois cette VOD, toi Nours 00, bah si t'en as rien à foutre de ta chaîne, tu peux la supprimer comme ça. Moi je peux la reprendre parce que je suis un peu. J'ai un petit côté Monsieur Monk, ça me fait chier d'avoir les 3-0. Que dire de plus sur cette chaîne? Eh bien actuellement elle est un petit peu en chantier, je l'ai créée dans la nuit là, j'ai vraiment pété un câble hier là sur. Ils m'ont cassé les couilles YouTube sur les futurs OSP que j'étais en train d'uploader. Donc pour l'instant elle est pas très décorée. Je suis en cours de négociation pour avoir le statut Motion Maker sur Dailymotion qui permet d'uploader du 1080p et de pas avoir de limite de taille d'upload. Et du coup bah voilà, pour entre guillemets, c'est un cadeau pour. Vous qui me suivez sur la nouvelle chaîne Dailymotion, il n'y a aucune vidéo privée, tout ce que j'upload est mis en direct en public et vous trouvez des exclusivités telles que, bah maintenant c'est plus exclusif vu que ça a été aussi partagé sur la chaîne YouTube de ma cause, telles que la review du SteelSeries 5HV3, le micro-casque, et aussi surtout la review du clavier mécanique de chez Ducky, le dernier clavier, le Ducky Shine 3, le clavier Keke Tuning qui fait de la lumière partout. Donc voilà, inscrivez-vous, créez un petit compte sur Dailymotion, ça prend pas de temps. Et disons que je vais continuer pendant un mois à uploader aussi bien sur YouTube que sur Dailymotion, mais il y aura des exclus Dailymotion. Je vais pas pouvoir faire ça sur les deux très longtemps parce que bon, si vous êtes habitué à me suivre, vous le savez, j'ai une connexion de merde et le PC upload toutes les nuits à fond. Donc si je veux faire les deux, YouTube et Daily, et ben, il va falloir que je upload la nuit et la journée. Et si je upload la journée, ben je fais plus rien. Voilà, c'était pour un petit peu justifier cette migration vers DM, qui en plus de ça a le mérite d'être français, donc Cocorico, ça évite de filer des thunes à YouTube qui, je vous le rappelle, appartient à Google et qui commence à être de plus en plus casse-couille. Donc finalement, en fait, pourquoi j'ai refait cette vote? Parce que bah, je vais vous dire pourquoi dans la première vote, je vous montrais exactement la configuration
de ma chaîne YouTube, donc les méandres. Pour ceux qui sont pas youtubeurs, qui connaissent pas, je vous montrais les analytiques, etc., avec les pourcentages de vues, machin, le gain généré par ma chaîne YouTube. Donc ce gars-là, à l'heure actuelle, depuis mai 2013, m'a permis, enfin me permettra, quand je pourrai retirer mes sous, pour vous ayez un ordre d'idée, de me payer deux McDo. Voilà, deux McDo. Donc d'entretenir mon gras pour l'hiver, certes, mais je ne fais pas ça à but pour gagner de l'argent, mais c'est juste, voilà, pour déterrer, enfin, le fait comme quoi les youtubeurs et tout se font énormément d'argent. Donc vous voyez que j'ai bientôt 50 000 vues, 1 000 abonnés. Et deux McDo à peine 30 euros, donc c'est pas, voilà, c'est pas la fête quoi. Donc je ne vous montrerai pas ces statistiques pour ne pas avoir de problème avec YouTube. Et pour finir, donc je vais conclure comme sur la première vote que j'avais fait. C'est quelque chose que je ne qui ne vient pas de moi. Comme je vous rappelle, là je suis un peu plus mal à l'aise à le faire parce que dans la première vote, je voudrais montrer vraiment que je faisais pas ça pour l'argent, mais quelque part. Il faut que je le fasse aussi parce que c'est des viewers qui me l'ont suggéré. Via mon Facebook, toujours si vous n'êtes pas abonné, je vous le rappelle, abonnez-vous. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions, qui m'ont demandé des conseils. Et suite voilà, à mes réponses, eux m'ont. Comme retour, j'ai eu genre de retour, merci Nours, machin, tu nous as fait économiser de l'argent, genre on aurait pu dépenser 100 euros dans un magasin qui nous aurait arnaqué alors que c'était un truc tout bête à faire sur notre ordi, ou alors tu nous évitais d'acheter du matériel qui nous convenait pas, qu'on aurait dû renvoyer, payer les frais de port et tout. Et beaucoup de gens me demandent comment ils pourraient me remercier et s'ils pouvaient me faire un don. Alors, voilà, comme je vous l'ai dit, moi je faisais pas du tout ça à but lucratif, mais il faut rester honnête et objectif, honnête avec soi-même et honnête envers vous qui me suivez. Quand on vous propose de l'argent, vous dites non par politesse, mais au fond de vous, ça vous dérange pas du tout. Donc c'est pour ça en fait que j'ai créé un petit module. Donc par contre, ça se passe toujours sur YouTube parce que sur DM, je me suis pas renseigné, je l'ai vraiment fait à l'arrache. Pour l'instant, mais ça va être bien fait. Donc j'ai fait un petit module sur YouTube. Si vous souhaitez me faire un don, si vous faites partie de ces gens qui ont été satisfaits des réponses que j'ai pu apporter ou des conseils que j'ai pu vous donner, ben voilà, vous allez sur ma chaîne, sur la page principale de ma chaîne YouTube et vous avez un petit module faire un don via PayPal. Donc je fais pas le truc genre compte de boulet, voilà, money for baby, please. C'est voilà, c'est vraiment des viewers qui me l'ont demandé. J'aime pas passer pour un mendiant, mais voilà, comme je vous l'ai dit, il faut rester honnête avec soi-même. Quand on vous propose de l'argent, on ne dit pas non. Donc vous avez la possibilité de me soutenir via un don maintenant sur ma page d'accueil YouTube. Je sais pas trop ce que va rendre cette vidéo. Je pense que vous allez sentir que je suis un peu gonflé et énervé de YouTube. Que dire pour que ça se finisse bien? Eh ben, je le répète encore, inscrivez-vous sur Dailymotion. La chaîne va bientôt migrer avec des. Elle migre déjà avec des exclusivités. Elle va bientôt migrer. D'ici, je pense, un mois, la chaîne YouTube sera gelée. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas supprimée. Il n'y aura plus rien d'uploadé dessus. Je tenais encore à vous remercier, tous ceux qui me soutiennent. Je vous le rappelle, le meilleur moyen de me soutenir, et ce gratuitement, sans passer par la requête de don ou quoi que ce soit, c'est de mettre des petits pouces de couleur. Vert, bleu, rouge, je ne sais plus. Non, pas les rouges. Les rouges, c'est pas bien. Ah oui, d'ailleurs, petite parenthèse. Je te remercie, toi, viewer qui ne m'aime pas, petit hater qui met un petit pouce rouge à chacune de mes vidéos. En fait, ça me fait super plaisir parce que quand on commence à avoir des haters, ça veut dire qu'on commence à avoir beaucoup d'abonnés. Donc, je te remercie et je te fais des bisous à toi, petit hater du pouce rouge. Ça fait plaisir aussi de temps en temps d'avoir un pouce rouge. Alors, c'est pas une raison pour vous en mettre partout, mais quand je vois qu'il y a un pouce rouge tout le temps par vidéo, je me dis qu'il y a un mec frustré quand même qui existe sur Terre. Et généralement, plus on a de haters, c'est une proportion hein, de gens. Si on a des haters, c'est qu'on a des gens qui nous suivent. Donc, merci à toi. Mais je remercie particulièrement, encore une fois, tous ceux qui me mettent des pouces rouges, des pouces verts, des pouces verts et bleus, pardon, qui partagent les vidéos sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen que vous ayez de me soutenir. Je me répète encore une fois, cette vidéo est faite à l'arrache et j'ai l'impression que ça devient un peu lourd. Donc je vais bientôt vous laisser une fois de plus. Inscrivez-vous sur mon Facebook. Il y a bientôt des jeux à gagner, du matos. Je vous fais des gros bisous. C'était Nours au micro. Je vous souhaite des joyeuses fêtes de Noël. Et voilà. Suivez-moi maintenant. Ça va être sur Dailymotion. Ciao!